Cher ami de Paul Schultz, je me retrouve aujourd'hui de nouveau dans la EU Art Gallery La Terrazza Villa à Saint-Vith. Pour ceux qui ne connaissent pas, Saint-Vith, c'est la région germanophone en Belgique, tout près du Luxembourg. Et c'est un grand plaisir d'aujourd'hui accueillir un artiste national de Bruxelles, Daniel Caron. Bonjour Alex. Bonjour Daniel. Disons, tu connais la région ? Pas très bien, j'ai été une ou deux fois et j'ai trouvé ça magnifique. Et j'aime beaucoup la langue allemande en plus. Oui, voilà, mais je ne peux pas dire que je la connais très bien. Ok. Disons, tu es ici aujourd'hui parce que tu as une exposition de peinture. Mais par contre, je disais au début, l'artiste Daniel, parce que tu as fait un très long chemin. Ta exposition s'appelle aussi « Mon chemin ». Tu n'es pas seulement peintre, mais tu es aussi un musicien d'un groupe assez réputé dans le passé. Explique-moi peut-être un peu tout court aux gens ton chemin autant comme artiste alors. Ouais. Oui, c'est assez complet évidemment. Il y a l'aspect musical. Ça a d'abord commencé par la musique d'ailleurs parce que j'ai eu très peur de me lancer dans la peinture. Oh. Mais Mais à un moment donné, l'attraction était trop forte et je me suis lancé et je ne le regrette évidemment pas. Mais c'est vrai que tout est lié. Il y a le groupe 26 Tears, le projet de Regan avec Floch et tout ça. Et bon, voilà, c'est très important. C'est vrai que tout est lié. Tout est lié. Et cette musique, disons, finalement, elle est liée à tes peintures, mais tu viens plutôt de la musique dark. Explique peut-être ce style de musique. Mmh. Oui, c'est une musique dark, évidemment, mais toujours plein d'espoir, déjà. Mais les ambiances sont effectivement très dark, très nocturnes. C'est très... du gothique, du new wave ou... Oui, c'est du post-punk, gothique. Oui, voilà, parce que c'est vraiment... L'étincelle a été donnée par le punk, évidemment, mais le punk, évidemment, après un an, c'était fini parce que ça a été récupéré par tout le monde. Et puis après, tout ça a évolué. Et on en est arrivé au post-punk et tout ça, et voilà, les groupes ont continué. Et voilà, mais tout est vraiment lié, oui, oui. Aussi bien la photo, d'ailleurs, parce que j'ai fait des photos aussi. Mais la peinture, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Oui, oui, bien sûr. Tu peins justement depuis très longtemps. Mmh. Au début, je te disais, oui, je veux une exposition positive avec plein de couleurs. Et tu m'avais dit, non, enfin, j'ai aussi un peu des peintures sombres. Oui. Et peut-être explique-nous ça, cette variété. Oui, donc j'adore les ambiances sombres parce que je trouve que ça permet de plonger vraiment plus facilement et plus intensément dans la lumière. Donc il y a toujours un côté sombre, déjà l'ensemble qui est une usine désaffectée puisqu'on faisait de l'urbex et qu'on passait les clôtures. Oui, l'urbex. Ben là, c'est faire des photos ou tout simplement visiter des lieux abandonnés, en général des lieux industriels, aussi des anciennes maisons, des maisons abandonnées. Avoir ce côté abandon qui est le côté noir, bien entendu, mais qui... Il y a toujours une lumière. Ce que j'ai vu dans toutes les peintures, même parfois quand elles sont très floues, abstractes même, je vois partout un chemin et aussi une maison. Je vois toujours quelque part une maison et des portes. Mm-hmm. Pourquoi ? Ouais. Tu as raison, évidemment. Moi, je pense que parce que la maison symbolise un peu les racines, et je trouve que pour pouvoir partager avec les autres et tout ça, il faut être bien, bien dans ses racines. Ne jamais renier ses racines et pour pouvoir partager. Comme je dis, c'est vraiment très important pour moi de partager. Et les portes, c'est les portes ouvertes vers, appelons ça de manière générale, l'espoir. L'inconnu qui est toujours espoir. C'est vraiment très important pour moi, ça. Oui. Quand on va maintenant ton évolution sur les 30 ans que tu peins déjà, il a fait beaucoup de peintures. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherches ou est-ce qu'il y a de l'espoir? Où est ce espoir? Il y a toujours de l'espoir. Maintenant, trouver dans l'art, on n'a jamais trouvé. Moi, je suis passé des peintures à l'huile, que j'adore l'huile. Je suis passé justement à,
à l'acrylique et colline et tout ça, qui est un médium beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'aller boire un verre sur la terrasse quand on peint à l'acrylique. Enfin, en tout cas, moi. Peut-être que d'autres y arrivent, parce que moi, je parle à mon nom, mais chacun a sa technique. C'est ça aussi qui est magique dans l'art. C'est que toi, tu vas amener quelque chose, une autre personne va amener autre chose, et c'est ça qui est fabuleux, évidemment. Mais là, non. Avec l'huile, c'est bien, c'est plus lent, le tempo est plus lent. On peut la laisser un jour, on peut la reprendre. Tandis que l'acrylique, moi, quand je peins à l'acrylique, en général, en 4 heures, tout est plié, quoi. Si je peux dire comme ça. Parce que, voilà. C'est rapide. Tu vois? La réaction est plus rapide. Et ce chemin, tu veux y arriver où? Ce message que tu veux donner aux gens, quel chemin? Ben, je ne sais pas où je veux arriver, mais je veux aller vers la lumière de toute façon. Et pour moi, la lumière, c'est cet espoir, c'est la créativité, c'est le partage, c'est l'échange d'idées, l'ouverture d'esprit. Toi, tu m'ouvres l'esprit par tes questions. J'espère qu'humblement, je t'ouvre aussi, ou j'ouvre l'esprit de tout le monde, en fait. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans les temps de Corona, tout le monde sait. Ça veut dire, même cette exposition que Daniel va faire à Saint-Vite, disons qu'il commence le 15 janvier jusqu'au 15 février, on va travailler beaucoup digital. Et j'ai parlé avec d'autres artistes, j'ai parlé avec des galeries, et on a l'impression que ça va de plus en plus digital. Est-ce que cette évolution vers le digital, où toi tu as peut-être plus tellement le contact avec le public réel, Non. ça pose un problème, ou comment toi tu vois cette digitalisation ou cette nouvelle façon de s'exprimer? Oui, ça me pose un problème. Tu poses la question, je te dis oui, ça me pose un problème. Parce que moi, en concert, j'aime bien avoir le public, j'aime bien ce contact. Avec les expos, c'est la même chose. J'aime bien le contact. On en est tous privés pour le moment. Ça, c'est très très dur, évidemment. Maintenant, on est obligé de faire avec ce que la vie nous offre, ce que l'univers nous propose. On en est là, la période Corona, ok. C'est chiant, mais c'est comme ça. On doit trouver des moyens de garder ce contact humain. Si ce contact humain passe par une certaine digitalisation, même une digitalisation certaine, oui, bien sûr. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je préfère parler comme ça que de ne pas parler du tout. C'est ça. Mais bien sûr que je préfère avoir quelqu'un en face de moi et pouvoir dire Bien zum sûr. wohl. C'est bon. Ja, natürlich. Mais on doit faire avec ce qu'on a. Et toujours se battre. C'est important, toujours se battre pour ça, pour cette lumière et pour l'humain, tout simplement. Dans ces mots-là, positif, se battre pour l'humain, ce qu'on fait tous avec Corona. Oui, Et aller chacun. positif vers l'avant, c'était un tout grand plaisir, Daniel, de parler tout court avec toi. Tout le plaisir était Les pour moi, gens, vraiment. ils ont l'occasion de toute façon de rencontrer Daniel. On va faire beaucoup de choses encore sur rendez-vous. En tout cas, vous tous dehors, un grand merci pour écouter. J'espère à la prochaine fois. Et de toute façon, Daniel, merci beaucoup. Merci Alex. Tchuss. Tchuss.